La musique doit être spontanée, comme le fait Chaumont, comme vous avez entendu, sur un piano. J'ai brûlé le piano, j'ai gardé la harpe. Voilà la harpe. César Franck, c'est de la musique de fonctionnaire. C'est de la musique de chevaux de bois. Bach, compagnie, c'est la même chose. Il y a un type qui a atteint des degrés peut-être très élevés, c'est dans le prélude de Lohengrin avec Wagner. Quand Wagner en parle un petit peu, moi ça me fout l'affaire de poule, comme on dit. Ou ça me fait remonter les couilles. Ça me fait de l'effet. Le reste, c'est de la merde. C'est du raisonnement. Par exemple, la musique, c'est un digane qui est tout seul en ce moment. C'est le printemps, les nuits sont belles. Sa femme l'a abandonné. Il prend son violon, il t'arrache les tripes. C'est ça la musique. Ils vous ont donné des exemples magnifiques. Et aujourd'hui, dans la technique, on est très avancé, mais dans les sons et la musique, on est encore à François Ier. C'est honteux. Quand tu as soif, tu prends un verre, tu bois n'importe quoi, même la piste de Baudet. Quand tu as faim, tu manges. N'importe quoi. Et quand tu as envie de créer, ben, tu crées. On porte la musique en soi, on ne l'apprend pas. Bon, et la création, c'est spontané? Ça doit être spontané? Toute la création est spontanée. Dans tous les domaines? Ouais. Par exemple? Ben, j'ai appris un jour, en sculpture, j'avais fait une sculpture concrète avec mon idée d'imbécile d'homme et de mon raisonnement d'homme. Et puis, on m'a appelé, la sculpture est tombée à l'envers. Et je me suis aperçu que mon envers était plus sérieux et plus beau que mon endroit. Mon endroit, c'est mon raisonnement. Et l'envers de cette sculpture, c'est l'inconscient. T'as compris? C'est important, ça.